Donc aujourd'hui, petite séance d'abdominaux. Donc vous aurez besoin principalement d'une serviette et d'une bouteille d'eau. Voilà. Donc on va commencer. Il y a 10 exercices à faire sur 45 secondes, 15 secondes de récup. On attaque. Relevé de jambes. On se positionne bien. Les mains positionnées dans le bas du dos. Pensez à bien souffler. C'est simple, on va compliquer au fur et à mesure. Donc petite séance d'abdominaux entre 10, 20 ou 30 minutes en fonction du niveau, sachant qu'un tour fait 10 minutes. Voilà, on prend le temps de souffrir, on a 15 secondes à chaque fois entre chaque exercice. On va alterner grand droit, abdominal, le transverse et les obliques. Donc petit travail sur les obliques pour la suite. Donc on décolle un tout petit peu les épaules, une paume de main vers le plafond. Et on vient toucher la cheville à droite et à gauche. Petite oscillation. Le bas du dos est bien collé au tapis. On regarde vers le plafond, on ne tire pas trop sur les cervicales. Si les chevilles sont trop loin, on rapproche un petit peu les pieds vers les fesses. Donc on a 10 exercices à enchaîner. On prend son temps. On récupère 15 secondes. Donc là on va prendre la serviette. Crunch. Avec serviette, donc l'objectif, on laisse les pieds coller au sol et on remonte en étirant bien la serviette de chaque côté pendant 45 secondes. Si c'est trop compliqué, on ne remonte pas complètement le buste, on décolle un tout petit peu les épaules. Toujours en ayant une bonne traction vers l'extérieur avec la serviette de chaque côté. Et on souffle en remontant. Du bruit. On rentre. On va reprendre avec les obliques, on va croiser. Voici jambes tendues, bras tendus à l'arrière. Et on vient croiser sur chaque jambe. Si c'est un petit peu compliqué, on plie les jambes. Si on a mal aux épaules, on ne va pas chercher trop loin derrière. Et là, on vient toucher le tibia. Voilà, la forme fondamentale, on tend les jambes sans cambrer trop le dos. Et on croise. On récupère. Donc, exercice suivant, on reprend dans l'axe et on va aller toucher les chevilles de chaque côté en même temps. Avec le crunch ici. Et je souffle à chaque fois que je viens toucher les chevilles. On garde les jambes à l'écart pendant 45 secondes toujours. Si c'est trop compliqué, on peut partir sur des séries de 30 secondes. Chacun l'adapte. Yeah.
On repart sur les obliques. Rotation du buste. Donc là, soit vous prenez une bouteille d'eau, on décolle les pieds et on pivote. Soit, si vous avez une haltère, on prend l'haltère qui est un petit peu plus loin ici. Et on pivote à droite et à gauche. On pivote bien, on tourne bien les épaules. Vous avez une bouteille. Même chose. Super. On reprend dans l'axe. Cette fois-ci, relevé de jambes. On se met sur les épaules. Vers le plafond. Et on tend les jambes. On peut rester en équilibre ici. On utilise le balancier. Et on repart pour 45 secondes. C'est parti. Sans reposer les pieds. Après, il y a possibilité de poser les pieds à chaque fois. Poser les mains. On décolle un tout petit peu les fesses. Voilà. Vous l'adaptez. Très très bien. Rotation du bassin pour la 7e série, 8e. Donc là, on décolle le bassin et on pivote à droite et à gauche. Possibilité également de venir faire des petites rotations avec les pieds ici, petit mouvement. Droite, gauche, ça va brûler un petit peu, ça va chauffer un petit peu plus bas. Voilà, on n'hésite pas à basculer le bassin à gauche, à droite. Allez, il nous reste 20 secondes. On s'accroche. On relâche. Deux derniers exercices. Système de planche. Et on vient toucher l'épaule opposée. Un bon gainage, pas trop cambré, on maintient. Et là, sans trop déplacer le buste, le poids ici, on transfère à droite, à gauche. On vient toucher l'épaule opposée. On peut mettre les mains légèrement devant pour renforcer davantage les épaules. En avançant, plus on va avancer, plus on va développer les épaules. Très bien, allez, on s'accroche jusqu'au bout. Il nous reste un exercice à faire. 15 secondes de repos avant d'enchaîner. Donc là, cette fois-ci, on va venir, je vais décaler un tout petit peu. On va venir toucher le pied, hop, opposé, de chaque côté. Pareil, pendant 45 secondes. C'est parti. On décale bien. Si c'est trop compliqué, hop. Légère ouverture. Voilà, tout simplement, on adapte. Donc on met l'accent sur les obliques. Il nous reste une vingtaine de secondes. Allez, on s'accroche jusqu'au bout. Avant d'enchaîner un deuxième tour. On ira jusqu'à 3 tours. Si on veut 4. Ou 5 tours pour les confirmer.
Superbe, on récupère. Donc tout ça après un bon échauffement de 5-10 minutes, comme on a l'habitude de faire, une bonne récupération derrière. Donc l'objectif c'est de réaliser ça 3 fois minimum, c'est 10 exercices. Voilà, bonne récupération.